C'était une version jazzifiée, disons, du thème de Super Mario World. C'est ce qu'on va continuer aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Par rapport au dernier stream, j'ai été extrêmement déçu de Twitch qui m'a enlevé des morceaux de son, des chunks entiers, deux petits chunks de 5 minutes, mais ça casse quand même les couilles. Par rapport à la diffusion que du coup j'ai dû foutre sur YouTube, mec. Qui a donc aussi ses 2 fois 5 minutes de stream, de son de stream enlevé, et puis c'est extrêmement dommage. Je comprends pas pourquoi ils font ça, c'est. Je peux, ils peuvent démonétiser tout ce qu'ils veulent, mais non, ça c'est juste dommage. C'est juste bête et méchant pour les viewers. Mais bon, ils ont peut-être leur propre, comment dire, pression de la part des constructeurs ou quelque chose comme ça. Donc en fait, du coup, pour éviter ça, maintenant je suis en train d'enregistrer en local, en live, sur mon ordinateur, comme ça je verrai si à la fin du stream. Ouais, parce qu'en fait, normalement, je les upload depuis directement Twitch. Et bon, ce qu'on fait pas sur Swic, mais ça c'est autre chose. Parce que tout le monde n'a pas les droits à la chaîne. Mais donc bon, normalement là, si Twitch me refait le coup, eh ben, je pourrais quand même mettre le stream sans rien perdre. Et donc on continue. Donc ouais, c'est comme ça qu'on commence bien. Merci Wisebot. Et ouais, j'espère que vous allez bien. Moi perso, ça va bien aujourd'hui. Il y a eu l'anniversaire de ma mère, enfin, on a fêté. En vrai, c'est la semaine prochaine, je crois. Donc il y avait la famille, c'était chouette. Hi. Et j'ai envoyé une demande de stage dans un studio de musique. Ça me fout un peu les jetons. Putain, c'est chaud! Oh la vache! C'est censé être faisable, ça? Ah, oh, puis c'est même pas tout le temps les mêmes. Auto merci à Reijo pour son auto-host. Toujours aussi chouette. Putain, mais ça. Alors ouais, aujourd'hui, comme je dis, un stream peut-être plus court que d'habitude. Court Mario aussi, hein? Parce que bon, autant je vais bien, autant je suis pas nécessairement ultra, je suis pas réveillé. Et puis surtout, j'ai pas d'autres idées de jeu que ça, et puis au bout d'un moment, ça risque de me. De m'emmerder un peu, de mourir en boucle, parce que je vais certainement mourir en boucle. Et auto merci à Black Manta pour son auto-host aussi. Il devrait y avoir un champignon qui suit. De vrai. Hi! Non, fils de. Putain, ça c'est juste dégueulasse. Et je recommence là. Pas souvenir d'avoir autant de vie. Non, Mario, please! Oui. Et merci aussi à l'auto-host, à Seiku pour l'auto-host. J'ai dit quoi? J'ai sûrement très mal parlé. Ouais, bien. Dans ma gueule.
C'est bon, on a quand même un minimum de temps. Une fois qu'ils apparaissent. Comment est-ce qu'on est censé le choper, ce... ce champi? Voilà une statue de Taz. Ah, déjà là? Ah, cool. Bon, j'ai dû passer à côté de une chier de niveaux et trucs comme ça, dont tous les niveaux secrets, etc. Mais... de basse. Allez, viens là. Il me semble qu'en moment, je sais pas si c'est dans ce niveau-là ou quoi que ce soit, mais... on doit plus ou moins en monter un pour pouvoir passer par-dessus des pics. Genre ça. Voilà. Ça, c'est pratique. Oui. Oh, je lui fais je vais apprendre à parler, je l'ai fait disparaître. OK. Twitch me dit, votre ami Coco vient de rejoindre la diffusion. J'imagine que Monsieur Coco est en train de choisir en une langue dans laquelle faire ses salutations. Du coup, j'ai hâte de lire ça. Non, il y avait un truc spécial là-bas. Ok, d'accord. Oui, oui, oui. Tu vas bien, Coco? Hmm.
As-tu passé un bon dimanche? Une bonne fête de Pâques, c'est ça? Alors dis-moi, Coco, qu'est-ce que c'est comme langue? Instruis-moi! Et ensemble, nous régnerons sur la galaxie tout entière. Non, je peux pas aller là-haut. Trop de taupe, tu la taupe! Bonsoir. Ah. Intéressant. C'est bien, comme ça tu découvres des langages. Et du coup, putain, nous tous aussi. C'est utile. Salut Pradius, tu vas bien? Ouais. Fais voler mon Yoshi, ouais. Ça va, comme je disais, un petit peu, pas stressé, mais disons un peu nerveux. Déjà parce que je joue à ce jeu, mais surtout parce que... J'ai envoyé une demande de stage dans un studio. Et disons que si je pouvais avoir un stage là-bas, ce serait juste incroyable. Allez Mario, oui. Y'a rien là. Studio musical, ouais. Ouh, ça devient de plus en plus chaud. J'espère aussi. Mais ouais, en gros, l'idée... Bon, c'est un vraiment super studio avec beaucoup de renommée, disons. Et j'ai un pote qui est en train de faire ses... Bah d'ailleurs, celui qui nous aide à... enregistrer nos morceaux avec le groupe, là. Qui a, lui, pu trouver une place de stage là-bas. Sauf que lui, il fait vraiment des études là-dedans, quoi. Donc là, ça se tient. Puis moi, ce serait vraiment pour... entre la curiosité et le... tout, quoi. Donc ouais, autant lui, c'est peut-être entre guillemets normal qu'il ait eu une place là-bas, autant moi peut-être ce serait un petit peu plus compliqué, étant donné que bah, techniquement je fais déjà des études qui ont rien à voir à côté. Donc voilà, mais on sait jamais, je me dis, je tente ma chance, pourquoi pas. Ouais, j'aurais envoyé les trucs que j'ai fait. Bon, alors, ouais, pour mettre ça un petit peu en contexte par rapport à... ceux qui auraient pas le même système, ici à la fin du collège, donc ce que chez vous, les Français, vous appelez le lycée. Donc déjà quelque chose que chez nous on fait pas nécessairement, on fait le collège seulement quand on veut faire des hautes études. Ok. Mais à la fin de ça, on est censé faire ce qu'on appelle un travail de maturité.
Mais je sais que j'ai plus des masses de trucs. Et puis, normalement, c'est écrire en papier, comme, enfin, plus ou moins pour t'entraîner à faire des, à écrire des papiers scientifiques ou bien des essais comme ça universitaires, académiques. Mais moi, j'ai fait un truc un petit peu différent avec un prof de musique. Et donc, du coup, j'ai composé et enregistré 7 morceaux qui faisaient le... Ouais, ouais, mais du coup, je te dis, est-ce que nous, en Suisse, en tout cas à Fribourg, enfin c'est différent dans les autres cantons, mais on appelle le collège, c'est ce que vous, vous appelez le lycée. Puisque vous, enfin, votre collège, nous, c'est le... l'école secondaire. Bref, moi j'ai quand même fait mon travail de maturité, donc c'est quand même pas rien. Par rapport à de l'enregistrement, quoi, et du mixage. D'ailleurs, j'ai eu la note maximale pour ça. Maintenant, avec du recul, c'est immonde comme... Ah, j'aurais dû prendre l'étoile. Pas grave. Mais bref, ça c'est un des trucs que j'ai pu montrer, puis sinon, bah, les machins que j'ai enregistrés et mixés pour mon groupe, quoi, puis... Voilà. Donc c'est court, mais je stresse un peu pour ça. Ah, ce thème. Et surtout, oh putain, ce niveau. Voilà, j'étais en train de lire le chat, c'est pas grave. Ouais, ouais, mais moi, des fois... En plus, c'est pas vraiment que je stresse, parce que... J'ai pas vraiment les vrais symptômes du stress, c'est juste que, genre, j'ai mal au bide. Toujours. Ils ont plus nerveux. Surtout qu'une demande de stage, j'ai jamais vraiment eu à le faire avant, quoi. Donc, ouais, j'espère juste pas vraiment avoir passé pour un con. Ouais, je vois le genre de truc, Prad. Pas très agréable, mais écoute, c'est des choses qui arrivent. Yeah. J'aimerais bien avoir une flume. Ah, ouais, bien. Mauvais réflexe. Non, puis surtout, bon, c'est... un stage à la con, quoi, c'est pas... Enfin, à la con, non. Ce serait juste sûrement un des trucs les plus intéressants que j'aurais fait... depuis que j'existe, mais... Non, ouais, c'est juste que, en plus, d'après ce que m'a dit mon pote qui a déjà vu le bonhomme, il a l'air cool, etc., etc. «
Angoissé pour les transports publics? Dans quel sens, Coco? Non, j'aurais bien aimé avoir cette vie, moi. Oh, des nouveaux. Ah, d'accord, comme ça. Ouais, c'est ça, fout le camp, si tu veux. Hop. J'aurais espéré que ce soit, mais c'en est pas un. Ça, voilà. À cause des contrôleurs, hein, c'est ça? Là. Vous avez vos billets, hein? Vous n'avez pas votre billet, on va vous donner l'amende. Vous êtes nul. Vous êtes passé en mauvais moment. Ok, ça s'en fout. S'en fait gaffe. S'en fait gaffe! On reprend. Oh, moi non plus piche. Ah, mais. Ah non, je sais pas. Non, ça c'était à l'école secondaire que nous, on nous. C'était quoi, la commune, je crois, qui nous payait les abonnements de bus, mais ça c'était à l'école secondaire. Voilà, on reprend ça. Et j'aimerais bien récupérer une comme ça. Voilà. Non, je vois. Bon, ça c'est pas grave parce que justement, tu sais, si t'oublies ton abonnement et puis que tu peux prouver que t'en as effectivement une. Mais je me fais tout le temps avoir comme un con, ça va. On recommence. On perd du temps, hein, mais voilà. Mais ouais, après, si tout d'un coup, par malheur, t'as oublié ton abonnement, et qu'il y a un contrôleur, après, tu vas juste le montrer à la gare, et puis tu payes 5 balles. Bon, ça fait chier d'utiliser 5 balles pour ça, mais... Non, non, c'est juste que quand t'as le contrôleur, c'est arrivé beaucoup de fois à des potes ou comme ça, hein. C'est vraiment, si t'as oublié ta carte, tu leur dis, écoutez, j'ai un abonnement, j'ai juste oublié. Dans quel cas, ils te disent... Enfin, ils te donnent le machin comme d'hab, puis après tu tires à la gare, tu montres ton machin. Ouais, Mario. Tu vas montrer ton abonnement et puis l'amende, plus ou moins, qu'ils t'ont donné. Ouais, je vais pas pouvoir continuer avec Yoshi. Ah, mais Mario, t'es trop nul! Pourquoi tu m'as fait ça? Ah non, là je dis si t'as oublié ton abonnement, sinon effectivement tu dois le refaire faire si tu l'as vraiment paumé, puis ça c'est chiant, mais... On recommence, mais en moins crispé cette fois, hein. Non mais ouais, sinon, si t'as juste oublié ton abonnement chez toi, que t'as pris le train sans faire exprès, ils te donnent ton amende, mais après tu vas au guichet à la gare à Fribourg, en tout cas chez nous. Chez vous, ça m'étonnerait que ce soit à Fribourg, mais... Absolument. J'adore faire ça.
J'en ai marre. Mario qui fait n'importe quoi. Oh non, c'est clair, mais après ça me dérange un peu de mettre des photos d'acteurs ou de trucs comme ça sur sur mes streams, c'est pas leur faute, tu vois. Oh que ça c'est de l'art. Ouais ouais c'est ça, je sais pas exactement ce que je vais faire pour quand il y en aura 100 mais... C'est clair que c'est hyper classe et puis c'est pas en jouant comme ça que... Bon c'est peut-être en gueulant que je vais en avoir encore un centième mais... Ouais vas-y Produce. J'ai déjà vu ce film et puis je vois exactement à quoi il ressemble mais... Effectivement ils sont... Terribles. Une fête, je... Putain, mais j'essaye de retourner sur le truc parce que j'ai absolument envie d'avoir ce champignon. Mais ouais, c'est effectivement ça. C'est... Allez, je le montre. Non, je peux pas le montrer. Pas grave, mais bon, vous voyez très bien ce que c'est. Affreux quoi, ces Goombas, c'est... D'ailleurs, t'as pas idée... ...de foutre ça... Mais évidemment, pourquoi il y aurait quelque chose de normal en dessous? Pourquoi le jeu serait gentil, hein? Ouais. Mais je te dis pour... En plus c'est vrai, hein, ça a été dit et redit, mais le... Le directeur de ce film, il a jamais joué à un seul jeu Mario de sa vie. Il avait aucune idée de ce qu'il devait faire. Sérieux ? Et il respawn pas. Ouais, alors que le dessin animé, autant c'était niais, un peu débile, autant... Merci. Autant, le film, mais c'est... Je sais pas. Je l'ai vu que beaucoup plus tard... Oh non, encore en dessous, là. Avec des comme ça. Ouais. Ah non mais il est incroyable. Il est incroyable, c'est un film à regarder quoi mais... Eh salut Drake, tu vas bien? Ça fait un moment. Yeah. On a toujours bien les streams.
Surtout que je vais bientôt retourner beaucoup en arrière pour essayer de me retrouver des power-up et quelques vies, parce que là, ça devient un petit peu chaud. Et encore, si je meurs, faut que je recommence absolument tout. Oh, c'est un peu dommage, mais bon. Je peux comprendre. Ni. Ouais, je pourrais comme ça marchait, puis en plus ça m'entraîne un petit peu, disons. Je hais ce sorcier de merde. Surtout quand il vient spawner là. Et que là je suis dans la merde parce que je peux plus avancer. Comme ça. Je voudrais bien me dépêcher, écoute. Voilà. Voilà. Je sais plus lequel des deux c'était. Ah, cool. Good. Non. Oui. Quelques vies, ça fait toujours plaisir. Je vais essayer de faire une technique. Ah non, mais je peux pas. Mieux que rien. Je peux pas partir du niveau 1. Non, et puis en plus je perds ça parce que j'ai appuyé sur select comme un trou de balle. Tu voulais que je fasse ça? Rigolo toi. Non, de toute façon, je vais retourner beaucoup en arrière. Quand je dis beaucoup en arrière, c'est... vraiment beaucoup en arrière.
barrière parce que... ce niveau beaucoup plus facile où je vais pouvoir choper une chier de... une chier de vie et de power-up. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de niveaux en fait. Ça me semblait peu, mais... quand même. C'était là où j'allais, je sais plus. Ouais. Ce niveau tout gentil. Adorable. Ouais, ouais, mais ça me paraissait extrêmement peu, là. Je suis vraiment... j'ai débarqué dans ce... non, mais... aucune vie. Ah bon, j'ai débarqué dans le machin de Bowser, là, puis j'étais... waouh, déjà. Ouais, je sais, Pradu, c'est juste pas... je sais juste pas comment y accéder, en fait. C'est là le problème. Mais non, Coco. J'aime tellement ce thème. D'ailleurs, je l'ai appris à la guitare. Joshi! Non, mais c'est vraiment agréable à jouer comme jeu. Même quand on perd, hein, c'est... des fois, il y a 2-3 trucs un peu dégueulasses. Mais de manière générale, c'est... ah, mais je suis en Tool Assisted Fail Run, mais Tool Assisted quand même, tu sais. Non, mais Mario! J'aurais pu avoir une vie en plus. Ah, par contre, là, je vais pas pouvoir y aller avec Yoshi. Non. Au revoir, Yoshi. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Trente vies, non.
Non, je pense qu'à 15, je serais content, et puis je pourrais en avoir suffisamment. Si j'en ai plus, je suis content, mais... Le retour de Yoshi. Au revoir Yoshi. Ah non. Ah, puis en plus j'ai le niveau bonus. Ah, cool. Ok, je comprends pas ce qui se passe avec la tête de Mario, là, donc... Non, rien du tout. Oh, je suis déçu. Alors ouais, c'est juste ici, au-dessus de cette Ghost House, hein. C'est juste que je sais pas comment y aller, en fait. C'est ça, le problème. Tu vois-tu? Ni. Non, dommage. Non. Allez, nouveau pas de vie. Non. Nouveau pas de vie. Ouais, mais justement, moi, les Ghost House, ça a tendance à beaucoup me saouler. C'est ça, le problème. Je me rappelle plus comment c'est dans cela. Bon, 17 vies. Tickle Start Select 20 fois et changer le nombre de vies. Waouh! Tu m'apprends quelque chose là, mec. Oh la vache. Joshi! Eh bien. Bon, 17. Bah, d'Apple, ça me dit quelque chose, hein. Je t'autorise à mettre. C'est pas une de Earthbound? Et là, on espère très fort. Voyons. Ah, mais oui, bien sûr. En plus, ouais, c'est une de Toho que tu m'avais... Que tu m'avais conseillé.
Ne te fais pas avoir bêtement, Y. Ne prends pas des risques comme ça. Ah, je vois. D'où la confusion. Toin, toin, toin. Voilà, je me suis fait baiser. Je voulais pas le choper, ce champi de merde. Je pense souvent les gens connaissent de nom, tu sais. J'ai eu du bol là. Voilà, là j'ai pas eu de bol. Comme moi, j'y ai jamais joué, jamais vraiment regardé de trucs dessus. Mais... Morn, Morn. Non, c'est pas Morn, c'est juste qu'il ressemble à Morn. C'est Larry? C'est ça, ouais. Bon, Ludwigo aussi, non? Bonsoir. Donc là, c'est sauvegardé. Nous sommes petit Mario sur un Yoshi. Et je n'ai aucune idée de ce que c'est que ce que je dois faire. Alors oui. Voyons ce qu'il y a dans le 2. Mets-toi en peignoir. Tout le monde mérite d'être en peignoir. C'est trop bien d'être en peignoir. 5, 6, 7 ou 8, j'imagine. Ah, essayons le 7. Moi j'aime bien le 7. Celui-là il est doré. Oh là là! Je meurs de faim! Je pourrais dévorer un roi! Tu devrais avoir un peignoir, c'est tellement pratique. Coco, il regarde les streams à poil. J'avais l'impression d'avancer, donc je vais essayer. Les streams, ça se regarde sans pantalon.
C'est le 6. Non, je suis sous l'eau. J'aime pas être sous l'eau. Bah arrête, j'étais clairement pas sur la pique là, c'est juste dégueulasse. Vilain. Vilain jeu, méchant. Note d'où? Je vois un truc bizarre au milieu de l'écran. Ah, une boule disco. Si je pouvais éviter... Voilà. Ah, c'est marrant, ceux-là, ils étaient sur dans Super Mario Bros. 2. C'est de là qu'ils viennent. Mais lance-les, hein? Non. Lance-les pour de vrai. Faut pas chier. Disco ball. Wow. Ok. C'est génial. Je me demande ce que Ganon est en train de faire. Mon petit. Cette paix, c'est pourquoi luttent tous les vrais guerriers. Les vrais guerriers. Lance les vrais guerriers. Ah non, il faut que ça... Quoi? Que j'ai fait? Que j'ai touché? Cette blague. On recommence tout. Mais je crois que j'ai retenu. C'était 2, puis 7, puis ne pas mourir. Non, 2, puis 6, puis ne pas mourir. Mais ne pas mourir entre 2 et 6 non plus. Ganon et ses fidèles se sont emparés de l'île de Koridai. Ah, je me suis pris l'hélice, d'accord. Non, j'étais à 3 milliards de kilomètres. Peut-être pas. Mais je me sentais à 3 milliards de kilomètres de la pique. Allez, Mariole. Ça a du sens. Non, Mario, pourquoi tu... Non, mais va pas sûr. Oh, mais Mario. J'aime pas trop les phases de nage. Mario peut nager. Il y avait un hard corner sur la VHS de la Super Nintendo où il y a des trucs qui disent qu'ils sont pas possibles. Je sais pas comment faire ça sans mourir. Puis fais-le Super Mario avec des blagues mais pourries. Disco ball. Oust, plébéien.
Mario Petit. Les fesses de Nadège, quoi? J'ai dit quelque chose par rapport aux fesses de Nadège? Tu m'as mal interprété parce que j'ai aucune idée de qui est Nadège. Et la dernière chose que j'ai envie de voir, c'est ses fesses, j'imagine. C'est pas comme ça qu'on est censé la voir. En le chopant avec ses bidules là. Mais non, pas comme ça. Oui, voilà, cette fois ça a marché, je sais pas pourquoi ça avait pas marché avant. Il est écrit, seul Mario peut vaincre Bossware. Mais t'en vas pas, on passe des bons moments ensemble. Oui, oui, oui. Princesse Toadstool. Parce que techniquement, elle s'appelle Peach seulement à partir de Super Mario Bros. 64. Et pourquoi fais-tu ça? Voilà, jette les trucs. Quoi que ces choses puissent être. Tiens. Pauline. Il y a une princesse qui s'appelle Pauline. Oh, j'étais complètement à côté, regarde ça, j'étais à côté. J'aurais pu économiser en rien du tout. Ah, d'accord. Ah, c'est la première princesse... Bidule. Ah d'accord, ouais. Ouais, mais si elle doit se faire kidnapper, si elle doit se faire sauver, c'est que c'est une princesse. Non, j'ai fini. Oh. L'aventure de Mario est terminée. Mario, la princesse, Yoshi et ses amis vont prendre des vacances. Mais non. Finis pas maintenant le jeu. Je sais pas quoi streamer après. Va chier. C'est un feu d'artifice en forme de cœur. Honnêtement, j'ai pas trop envie de faire du Metroid maintenant. Je le ferai peut-être sûrement un jour, mais là je suis pas très chaud Metroid. Alors je sais pas combien, je sais plus combien, pendant combien de temps je l'ai streamé ce jeu la dernière fois, attends. C'est toi que je vois en combien de temps je l'ai fait. Tac. À peu près 3 heures, donc ça m'a pris à peu près 4 heures pour le terminer. Ok. Ah
Kirby presque plus, ouais. Je réfléchis à ce que je pourrais streamer là, mais... Bon, de toute façon, je vais le corrompre un petit moment, là. Mais ouais, après, faudrait quand même un autre jeu, quoi, parce que je veux pas faire seulement un stream d'une heure et demie, ce serait un peu dommage. Voilà, 4 Yoshi, dont 2 qu'on n'a pas vu. Merci! Et surtout, merci à vous d'avoir regardé ces streams. Non, mais elle est trop bien cette chanson, c'est con, mais c'est vraiment chouette. Oh putain, ouais, un Yoshi's Story sur 64, ça serait chouette aussi comme stream. Ah, ça c'est... pas mal. J'ai encore pas préparé les trucs pour MGS2. Je veux pas commencer Volant 2 maintenant. Je regarderai une fois pour que Netta puisse regarder. C'est quand même lui qui... me faisait tellement de pubs pour ce jeu. Benzaï! Le Hard Corner. Non, là je l'ai mal fait. Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. Little Sparky. Grinder qui est après la chute de Bowser, c'est changé en... c'est déjà quoi? C'est pas l'application de rencontre pour gay? Je sais plus. Les mecs à Koopa. Mais yes! Bon bah c'était Mario World, toujours aussi chouette à jouer. Ceux qui l'ont pas fait, faites-le. Je dis ça pour tous les jeux auxquels je joue, mais en même temps je joue quasi qu'à des bons jeux, donc... cool! Il va rester comme ça, ou bien... il faut relancer la console. Il a la couleur qu'il veut, déjà. Ah bon, alors on va faire un soft reset. C'est vrai qu'elle est terriblement maigre, la pauvre. Mauvais pour la santé. Bon ben... alors, distorsion engine. Alors, tournez là. Et lancez la corruption. Yes, ça commence bien. Yes. Oh la vache, il... non, juste kill. Pas de... non, 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 non. Arrête de faire tes trucs, voilà. Maintenant, tu fais que mourir. Maintenant, on va te relancer. Ah, il veut pas, hein. Oh la vache, quel reset. Ah là, maintenant, il est pas de la bonne grandeur.
Voilà. Nous disions donc Super Mario World. Alors maintenant, on va voir si c'est ça qu'il y a. Non, tu retournes en arrière. Ouais, il m'a pas gardé massé, évidemment. Pas grave. Alors, on va faire quelque chose de beaucoup plus stable. Vraiment, du tout petit... Toute petite corruption, toute mignonne. Pour l'instant, il n'y en a pas. On attend. Ah ouais, corruption. Attention à vos oreilles, attention aux épileptiques. Et aux épileptiques des oreilles. Ah là, ça commencerait presque. D'accord, on refait ça. Chopper. Faut absolument que je vois ce que ça fait quand je fais ça. Ok, le Mario obèse ballon là, mais sous l'eau. C'est juste parfait. Il veut pas. Ouais, ça tu me fais pas. Et il m'a enlevé mes sauvegardes. Bon, t'inquiète, j'y comprends rien non plus aux corruptions, hein. J'ai aucune idée de ce que je fais. Si, je vois vaguement qu'est-ce qui correspond à quoi, mais... réfléchissons que ça... Oui!
Autre jeu auquel jouer. Oh, bien la peine d'avoir un truc comme ça là. Ça c'est une clé. Turcum qui fait du voyeurisme. Turcum qui serait là sans annoncer sa présence. Ou alors il a juste le... Son onglet est ouvert, peut-être. Ou alors il est en train de plus ou moins stalker comme ça, puis... Mario World, non, j'aime pas, non. Tu vas bien, Turcum, salut. Ça va, ouais. J'ai fini Mario World, donc du coup maintenant je le corromps. Mais sinon, ouais, pas grand-chose. Comme je disais avant. Ouais, alors si tu pouvais ne pas appuyer tout seul sur pause, ça pourrait m'aider en fait. Non, il veut pas, hein. Chier. Ouais. C'est tout. C'est joliment dit ça, Turcum. Ok, ça il devrait le faire. Donc ouais, je cherche toujours des bonnes idées de jeux à streamer pour après, parce que là je veux pas arrêter le stream maintenant. C'est un peu dommage. Presque du Kirby... Presque. Ah, bon, tant pis.
Bisous. J'appuie pas sur select, mais il me fait ça quand même, d'accord? Mario Kart, mais tout seul, c'est pas drôle. Et j'ai pas vraiment de quoi streamer du Mario Kart en ligne. Sinon, c'est clair, ça aurait été avec plaisir, mais c'est juste que tout seul, c'est chiant. Comme j'aimerais bien, mais je peux pas faire tourner de CDI. L'émulateur veut pas. Alors Y qui vient de se tuer là, j'ai l'impression. Gaman Battle Network, non. Continuer le niveau, mais ouais. Mais qu'est-ce que tu me fais? C'est toi le bras cassé. Il va très bien mon bras. Incroyable ça. Mais arrête! Pourquoi il me quitte le niveau? Mais non, faut pas être méchant avec Pradus. Pradus, il est gentil. Et c'est pas gentil d'être méchant. Alors du coup, hein, calmez-vous, hein, calmons-nous tous. D'ailleurs, le prochain qui est méchant sur le stream, il perd ses... ces avantages de... de viewer. Allez, Coranto a fait des trucs marrants. Vends-nous du rêve.
Même pas, les avantages de viewers, c'est... Il n'y en a pas vraiment, en fait. Mes chutes, faut pas dire. L'obésité... C'est exactement ça. Et ça, c'était la clé la plus inutile de tout le jeu, la vache. Déçu. Bon, essayons de trouver la fameuse sortie secrète. D'accord, je crois que j'ai compris un truc. Dépêche. Oh non, il garde pas le... sortie secrète. Ah non, là, il y a juste rien. Ça marche, merci d'être d'être passé. C'était juste ça ? Ah. Ouais, sauf que normalement ça c'est censé être utile, non ? Non, c'était pas la bonne sortie. Ça, ce serait la sortie secrète.
Mais oui, puis là, ce truc. L'endroit top secret. Avec les fameux deux trucs et deux machins comme ça. Juste dommage qu'on puisse pas... Qu'en smiss... On puisse pas vraiment y faire un monstre stock de vie à part juste comme ça. Et puis les choper une par une. Mais ouais, chouette. Chouette endroit. Essayez de rendre les corruptions un petit peu plus fat. Et pendant ce temps, je tente de déjà ne pas jouer aussi mal, mais surtout de... De réfléchir à quoi faire après, mais ouais, tant qu'à faire, tant qu'on est sur du Mario, pourquoi pas. Essayer de se faire du Super Mario Bros 3. Pourrait être pas mal. Qu'est-ce que vous en diriez? Je crois que pour une raison obscure, mon select est aussi assigné à... D'accord. Ah, L2 est mon start à R2. Bon courage avec ta connexion internet, Pradius. Oh, je me rappelle. De certaines fois chez mes parents, à quel point la connexion internet me cassait les couilles. Mario, tu vas pas faire ça. Non plus, non plus. Arrête! Voilà. Non, tu te sens obligé de faire ça, hein. Bougre. Mais non, fais pas ça, Mario. J'essaye d'aller là-haut pour ceux qui se poseraient la question de qu'est-ce qu'il fait ce con de Y. Yoshi, please. Not do. Cause when you do, you suck. Please no suck. Ok, ça c'est lourd. Mais pas réussir, tant pis. Ok, ça marche pas, Dus. Navré pour ton internet et à bientôt. Secret.
Allez, va pour Mario Bros 3 après, j'ai décidé. Puis du coup, je vais essayer de le faire sans les warps. Comme ça, on voit tout le jeu. Comme j'ai fait ici, en fait. Juste arrivé là. Vanilla Cyclops. Là, c'est chouette. Ça, c'est un endroit où je suis jamais allé. Mais bien la peine, quoi. Je suis à côté... Mais t'es méchant! Wouh! Corruption! Alors, j'ai aucune idée de ce qui est en train de se passer à l'écran, c'est très beau, mais quand même retourner en arrière parce que ça peut être utile de voir ce qu'il est en train d'advenir de moi. Salut la SNES, tu vas bien? Bon, la classique corruption de Super Mario World, je viens de la terminer juste avant. Faut avouer, y a pas grand chose qui est en train de se corrompre. Dommage. Pour l'instant. Et ouais, après je devrais normalement passer à Super Mario Bros 3. En attendant que je trouve des meilleures idées de stream. Alors, si ça, ça pouvait marcher, ça pourrait être chouette, mais tant pis. Thank you.
J'avais pas fait le même château, mais pas sous l'eau. Ça, c'est dégueulasse. Allez. Ouais, ça me dit quelque chose. Allez. Ok, là ça... Non, hein? Non, hein? Voilà, ouais. Ouais, c'est de violenter le jeu un peu. Corromps-toi, vas-y, fais des trucs marrants. Là, il va mettre les... Ah ouais, c'est bien cela. Je me serais presque attendu à ce qu'ils nous mettent... À ce qu'ils nous mettent ça sous l'eau, ça aurait été marrant, mais... Et un petit peu bizarre, mais... Marrant. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va juste me faire descendre là. Ah, ok, en fait, en faisant ça... Butter Bridge. C'est un autoscroller. Allez. Juste voir ce que j'ai loupé à partir d'ici, puis après. Ah, d'ailleurs, ces machins de retour dans le temps là, ça me fait penser à Braid. Le jeu indé là où on peut retourner dans le temps, etc. Je l'ai beaucoup aimé, ça, ça pourrait être streamable. Comme quoi, il y a matière à faire. Il y a des trous du cul, non? Quelque part. Oh, il me semblait qu'il y avait des... Ces gros là qui font tomber des éclairs. Enfin non, pas des éclairs, des flammes. Et là, je pense qu'il me fait rejoindre. Après celui-là, bien entendu. Il est étonnamment stable, là, comme... Comme corruption.
Et c'est bien ça. Du coup, je vais faire une mini pause. Puis je reviens dans 2 minutes et puis on va pouvoir lancer du Mario Bros 3. Allez, à tout de suite. Juste que je mette ça. Ça. Avec le Birby par-dessus. Allez, à tout de suite. Et le grand retour! Alors, je vais vite fermer ça, changer les trucs sur Twitch. Quel œil, Twitch m'a mongolisé dans les mains. Ça devrait être bon après, normalement. Ouais, il m'a l'air toujours bon. Alors. Mario Bros 3 joue à Super Mario Bros 3. Voilà. Parfait. Du coup, officiellement re, et donc on relance ça. Tac. On fait en sorte qu'il ne voilà, pardon. Qu'il ne se corrompe pas, et on est prêt. Voilà. Alors le son est un peu plus fort, j'espère que c'est toujours bon. Je vais quand même le baisser un tout petit peu, parce que même moi là, un petit peu, il me pète les oreilles. Voilà. Alors, que je reprenne un petit peu le jeu dans les doigts, parce que c'est pas tout à fait la même chose que Mario World. Ok, donc ça. Il
suffit pas de laisser A appuyer pour pouvoir planer. Faut le mâcher. Alors je pense que je vais quand même prendre les flûtes au cas où tout d'un coup j'en chie trop, mais... Je pense essayer de pas les utiliser. Normalement c'est tout à fait faisable sans... En utilisant les flûtes, c'est un petit peu dommage parce qu'on passe à côté de... De pas mal de mondes qui sont assez intéressants. Peut-être pas faire tous les niveaux, disons. Ceux que je peux skipper, je vais peut-être de temps en temps le faire. Voilà. Donc ouais, Mario Bros 3 qui a souvent... Enfin, souvent, non. Longtemps été un de mes jeux vidéo favoris. Bon, je l'ai eu quand j'étais très gamin sur la NES. Et j'ai pas chopé la flûte, j'ai pas pensé à retourner au truc, c'est pas grave. Comme ça j'en prendrai qu'une. Autant contrairement à World, ici on peut pas refaire les niveaux. Ah dommage. Ouais. 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 Champignon punk, ouais. Yes. Voilà. Comme ça on skip la moitié du niveau, c'est juste parfait. Voilà. Après, il y a quelques mécaniques de base que j'explique pas, que j'ai complètement oublié de dire pendant Mario World, mais c'est du genre, on chope les 100 pièces, puis ça nous donne une vie en plus. Des trucs classiques dans Mario. Ouais, alors c'est comme ça qu'on joue pas.
Là, il y a une histoire de faire comme ça. D'accord, ça c'est juste... des dollars, on s'en branle. Allez, ouais, ouais. Et je vois que mon micro fait beaucoup de bruit, je reviens tout de suite. Voilà, moins pire. Comme d'habitude, beaucoup de buzz dans le... dans les basses. Dans les très basses. Je sais pas pendant combien de temps je vais encore continuer. Voilà. Bien. Allez. Et donc, elle me donne un... comment t'appelles ça, B-Wing ? Oui, bien ! Donc le P-Wing qui sert à quoi? Qui sert à... Iiii. Non, on va pas dans ce sens. Qui sert comme ça à voler, mais indéfiniment, alors que là, au bout d'un moment, notre Mario s'arrête. Comme là. Alors ceux-là, il me semble que c'est pas du tout random, ça change jamais. Donc dès lors qu'on connaît... non, dommage. L'ordre. On peut tout choper d'un coup, ce qui n'est pas du tout mon cas, d'autant que j'ai une mémoire de merde. Ah, je pense que c'est trop tard là. Ah non. Nickel! En tout cas, on va pas se plaindre trop fort. Celle-là, l'arrivée du soleil? Non, pas encore. Hein. Non, par contre, c'est ici, il me semble qu'on peut avoir le... je vois comment ils appellent ça, le coin ship. Merci. Thank you.
Oh ouais, bien, voilà, là c'est le GG. Bref, il me semble si on chope toutes les pièces qu'on peut choper dans cet écran, ça peut faire apparaître un bateau qui a des pièces. Vraiment une chier. Or, d'un côté, ça me parle pas plus que ça. Et d'un côté, c'est juste trop chiant à faire. Et je suis sûrement pas assez réveillé pour ça. Et donc, sauf erreur, la première apparition des bouts dans un Mario? Pas dire de conneries, mais il me semble que c'est ça. Il me semble pas qu'il y en avait dans Mario Bros 1. Encore moins dans le 2. Et dans ce jeu, ils peuvent devenir hyper rapides. J'ai eu du bol. Par exemple, là, le P-Wing, ce serait utile. Bossware. Bossware. Junior, donc. Ouah. Là, nouveau, évidemment, forcément, comme Mario World. Le début est hyper facile. Ça se complique tout de suite. Et encore une fois, tous ces coffres, c'est complètement random. L'objet qui se trouve à l'intérieur est déterminé seulement à partir du moment où on appuie sur B pour l'ouvrir. Donc, ça sert à rien de se dire « Ouais, je vais essayer de prendre celui du milieu, parce que j'ai l'impression qu'au milieu, il y a plus souvent des bons items. » Non, ça sert à rien. La boîte à musique, je sais plus à quoi elle sert. Endormir certains ennemis, je sais plus. Et ces petites flammes, c'est des vraies saloperies. Ok, et puis là c'est sûrement que des pièces. Ah non. Et peut-être un dernier truc par rapport à ce Mario, c'est un des meilleurs exemples NES qu'on puisse avoir pour parler de la cinquième piste de son, celle qui permet d'avoir des sons samplés. Donc au lieu que ce soit bêtement une onde, comme c'est le cas pour les quatre autres pistes quoi, où t'as deux ondes... Où t'as deux ondes carré, une onde triangle et une onde de noise. Et ben il y en a une cinquième qui est vraiment des sons, comme maintenant on utiliserait des sons en wave. Et donc là on l'entend quand il y a des espèces de coups de timbales. Donc, là, pas vraiment. Je sens qu'on n'aura pas le choix, on va aller là. Et ce soleil-là, c'est un vrai trou du cul aussi. Mais Mario, tu fais quoi? Je vois pas du tout comment on peut éviter ça. Comme ça. Y'a moyen de le buter avec ça, mais... Je suis trop mauvais pour ça.
Aussi pour ces symboles qu'on peut avoir à la fin, là. L'étoile, c'est très simple de l'avoir. Normalement, simplement en courant et en sautant au dernier moment pour choper le... la boîte, quoi. Je suis désolé, je suis hyper fatigué, là, tout d'un coup. Non, c'était pas les 20 que je voulais, c'était le... One Up, qui me semble, était là. Non, c'était le truc. Donc ouais, d'office, normalement, il nous donnera une étoile. Que c'est parce que je suis habitué à la physique de Mario World. Mais c'est pas vrai, c'est juste que je suis mauvais. Ouais. Oh, je crois que je vais bientôt arrêter, hein. Ouais. Ça, c'est ce que j'aime bien avoir quand je fais des corruptions, mais là j'en faisais pas donc. Je vais espérer pouvoir faire le prochain château. Ça permet de pâtir un rocher, ça pourrait éventuellement être utile. Je crois que c'est là. Comment tu... On peut y aller. La grenouille, sauf erreur, c'est trop bien quand t'es dans l'eau, c'est vraiment à chier quand tu joues normalement. Encore une flûte! Hmm.
Alors, tentons ça. Oh, c'est terrible, le King a été transformé. Putain, je suis crevé, j'ai la dalle. Ah, c'est pas du tout ce que je voulais, fais chier. Oh. Oh. Autant c'est très bien d'avoir une fleur de feu. Autant je préfère le... La feuille. Voilà. Il est affreux. Lunette de la princesse, montre-moi tout. Quel est mon cadeau? Un nuage, ça permet de passer par-dessus un niveau, il me semble. Mais bon, on s'en verra la prochaine fois. Là, je suis crevé. Je sais pas pourquoi je suis aussi fatigué tout d'un coup. Ouais, donc du coup. Ouais, normalement demain soir un petit stream, puis sinon sera de toute façon mardi à 20h sur Swig. Alors je vais faire une petite save. Allez, sauvegarde, ouais, ici, et une au cas où je fais une connerie la prochaine fois, voilà. Donc ouais, merci d'avoir regardé ce soir. Très content d'avoir pu terminer Mario World. Puis du coup, ben à la prochaine, merci d'être passé, et puis bah... Bonne soirée à tous. Allez, ciao.